Parlons de La Belle Étoile, qui est sortie en 2002 et qui a obtenu le prix Rossel. La Belle Étoile, c'est le nom d'un cargo dont l'équipage et sa cargaison, un vieux paysan et 40 juments, sera le dernier à quitter le port chinois de Lushun, ex-Port Arthur ou Nonas Plane. Qu'est-il arrivé? Est-ce une épidémie, une guerre, une catastrophe naturelle qui a poussé des millions d'êtres humains à fuir dans un mouvement de panique indescriptible? Non. Ceux qui sont à l'origine de cet immense bouleversement, ce sont les dogs. Alors les dogs, ce sont des chiens. Mmh. Pourquoi des chiens, déjà? Parce que mon roman me l'a demandé. Donc, encore une fois, moi j'écris ce roman en fonction de ce que lui me demande. Au commencement du roman, je sens qu'il y a quelque chose d'un peu tragique et apocalyptique qui surgit. Des bouleversements, des ébranlements terribles au sein de l'Asie. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se produisait, une espèce d'invasion comme ça. Et je me suis dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui surgit? J'ai posé la question à mon roman. Je me suis dit, tiens, quoi, des espèces de guerriers mongols revenus. Ça me paraissait un peu grotesque. Donc j'ai senti qu'il allait s'agir d'animaux. Je me suis dit, tiens, mais quels animaux? Des mammouths, c'est grotesque aussi. Des buffles, je ne sais pas, enfin, j'ai évalué une série d'hypothèses, et chaque fois je questionne mon roman, qu'est-ce qui va à mon roman, qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qui lui convient, et c'est aller vers des dogs, vers une armée de 600 millions de chiens malades, moches, dangereux, c'est mon roman qui le demande, voilà. J'ai aucune autre réponse que celle-là. Quand je vous entends parler de votre roman, de vos romans, ça me fait penser un peu au livre des divinations chinoises, le Yi Qing, qu'on interroge beaucoup. Mm-hmm. Vous connaissez ce livre-là? Non. C'est un livre... Pas de nom, mais... Oui, mais c'est un livre où on peut lui poser des questions, au jette des dés ou autre chose, et on lui pose des questions, et suivant la réponse, on peut réagir. C'est un peu la même chose, finalement. Je ne sais pas. Vous faites. Je ne sais pas. Moi, voilà, j'ai un roman qui surgit, j'ai envie de le mettre au monde conformément à ce qu'il est. Et pas conformément à ce que je voudrais qu'il soit. Donc, à certains épisodes importants, ben je le questionne. Voilà, maintenant, quoi? Quelle va être la trajectoire? Quel va être le virage? Quel va être le protagoniste? Quelle va être cette armée? De quoi est-elle constituée? Et mon roman me répond et j'écris. Et s'il vous répond quelque chose qui ne vous correspond pas du tout, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, et j'espère bien qu'il me corrige. Oui. Je ne suis pas là, encore une fois, pour parler de moi. Je ne suis pas là pour écrire des romans qui me ressemblent. Et la littérature, elle n'a pas vocation à être confortable. La littérature, ce n'est pas une berceuse, ce n'est pas un anxiolytique, ce n'est pas un petit médicament qu'on prend pour rendre la vie plus belle. La littérature, elle est turbulente, sauvage, inconfortable, surprenante, jouissive. Et oui, bien sûr, enfin, si à un moment donné un épisode doit surgir qui, moi, m'ébranle, je l'écrirai parce que mon roman me le demandera. C'est un mélange un petit peu, ce livre-là, c'est un peu un récit allégorique, c'est un mélange de merveilleux, de réalisme fantastique, de poésie, de mythologie. C'est vraiment très particulier. Voilà, donc les mots que vous venez de citer, ils vous appartiennent. Bon, au moment où j'écris, je ne me pose pas un seul instant la question de savoir si, dans mon roman, je vais instiller un peu de ceci, un peu de réalisme magique, un peu de merveilleux, un peu de mythologie. Ça vient. Maintenant, moi, quand vous me dites ces mots-là, je les approuve, mais je les approuve a posteriori. Je me dis, tiens, oui, c'est vrai, il y a en effet une dimension mythologique, tiens, il y a en effet ceci. Ce n'est pas du tout voulu de ma part. Voilà. Je n'entame pas, je n'aborde pas un roman en me disant « je vais faire un roman dans lequel entreront pour une part des éléments du merveilleux, des éléments de réalisme magique », non. Vous avez obtenu le prix Rossel pour ce livre-là. Qu'est-ce que ça a changé dans votre carrière d'écrivain, dans votre vie d'homme? Beaucoup. Ça a vraiment été une date, vraiment quelque chose d'important. Moi, je vous dis, ça a bientôt faire 20 ans que je vis mon écriture. Et c'est un peu comme si j'avais le sentiment de gravir une colline herbeuse sur laquelle il n'y aurait plus. Enfin, ça glisse, quoi. C'est vraiment pas... C'est gai, hein. Je veux dire, c'est une belle colline. Mais c'est toujours un peu périlleux, toujours un peu glissant, toujours un peu...
Et le recel, pour moi, il ressemble à un palier, à une plateforme. C'est comme si dans l'ascension de cette colline, j'étais parvenu à un palier. J'avais pu me poser un peu. Et puis, je continue mon ascension, qui ne va pas être plus facile qu'avant. Mais au moins, si je tombe, je ne descendrai pas plus bas que ce palier. Voilà. Il y a quelque chose pour moi de cet ordre-là. Donc, ça a été quelque chose de terriblement rassurant, réconfortant. J'ai eu le sentiment d'être arrivé à un moment de mon parcours qui me permettait pas de m'arrêter, mais de me poser un peu, de mesurer le sentier que j'avais déjà parcouru et de me dire et de reprendre des forces pour ce qu'il restait à parcourir. Il y a ce roman a été réédité et je crois qu'au départ il n'y avait pas de nouvelles qui avaient été incluses dedans. Ici il y a des nouvelles qui sont incluses dedans. Est-ce pourquoi déjà avoir inclus des nouvelles dedans et est-ce que l'écriture d'un roman d'une nouvelle est-ce différent? D'abord, donc c'est vrai que La Belle Étoile a été réédité en l'assortissant d'un recueil de nouvelles. C'est pas du tout mon choix, c'est le choix de l'éditeur. Bon, pourquoi pas? Pour répondre à la première partie de votre question. La deuxième partie de votre question, oui, on écrit un roman et une nouvelle de la même façon. Je sais que je vais faire bondir une série de gardiens du temple, les gars qui théorisent sur la nouvelle, qui vont vous dire que la nouvelle est un genre très particulier, qui possède sa logique propre. Ce n'est pas mon problème, je ne suis pas un théoricien, je suis un praticien, et j'aborde l'écriture d'une nouvelle exactement de la même façon que l'écriture d'un roman. Si ce n'est qu'une nouvelle, c'est plus court. Voilà, c'est tout.